À quel âge vais-je partir à la retraite? À 62 ans, vous atteignez l'âge légal de départ à la retraite et vous pouvez demander votre retraite de base du régime général. Toutefois, pour partir avec une retraite calculée au taux maximum de 50%, vous devez réunir un certain nombre de trimestres, définis en fonction de votre année de naissance. Par exemple, les personnes nées en 1960 doivent justifier de 167 trimestres. Si des trimestres sont manquants lorsque vous demandez votre retraite, vous pouvez continuer à travailler pour réunir suffisamment de trimestres ou choisir de prendre votre retraite avec une réduction de son montant. À noter qu'à partir d'un certain âge, 67 ans pour les personnes nées en 1955 ou après, la retraite est calculée au taux maximum, quel que soit votre nombre de trimestres. Dans certains cas bien spécifiques, vous pouvez partir à la retraite avant 62 ans. Carrière longue, handicap, incapacité permanente. Les informations diffusées dans cette animation sont générales. Pour accéder à des informations plus précises et personnalisées, connectez-vous à votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr. Nous vous conseillons de vous renseigner aussi auprès de vos autres régimes de retraite, de base et complémentaires.